Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes dans une partie qui a déjà commencé, semble-t-il. Je suis mauvais. Ah, je suis très 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 mauvais. Nous sommes dans une partie qui a déjà commencé en chaos jubilatoire, ce qui indique donc que nous sommes à même d'avoir des recharges de sorts. C'est vrai que j'ai peut-être pas pensé, peut-être pour ça que j'ai pas pensé. C'est pour ma gueule, voilà. Je m'en doutais que c'était pour ma gueule. Mais ce n'est pas grave. Wouah, Zastre. C'est pas la forme. Tout ça pour dire. Ok, donc la recharge est assez rapide. Bien, charge à fond par contre là. Ah, vache. Je prends cher hein. C'était pas la meilleure des solutions que j'ai prises là, ça dit, je l'ai dit avec Hanzo. Hein. Je pensais que ça allait charger beaucoup plus vite au niveau de l'ult. Mais finalement. Normalement, il a. Voilà, d'accord, il a été boost. Oh, putain, vache, ça va être que ça. Ça va être que ça. Non, ça c'est dégueulasse. Eh hey, mais tu es là. Ouais, pourquoi tu montes pas tout en haut? Hanzo, fais pas ton jap. Quoi? Putain, c'est vachement long, cet ult! Putain, ils sont tellement nombreux autour de nous! C'est la violence! Y'a que ça! Aide-moi! Quoi? Mon ult a été cancel! Putain! Ah, c'est l'horreur! C'est l'horreur entre le méga slip tout le temps! Oh, t'es débile! C'est pas le clic droit qu'il fallait faire là, si? Moi j'aurais fait un clic gauche! Beaucoup plus rapide! Vas-y, fais que ça. Vas-y. Ah, mais merde, je me fais harasser de la mort qui tue. Putain. Putain de japonais. Oh là 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 là. Enfin bon, il y avait. Enfin, j'ai réfléchi avec une bande de potes. On a réfléchi aux trois personnages les plus chiants de ce genre d'attaque, enfin de ce genre de map. C'est-à-dire les maps avec les sans limites, les machins. Enfin, les maps, avec les. Comment les. Les sorts boostés, tout ça, enfin, comment les cooldowns annulés ou réduits, c'est forcément Zarya, comment elle s'appelle justement, Sombra et Anna, parce qu'ils ont des capacités pour te rect à longueur de temps finalement. C'est-à-dire, Zarya a pratiquement tout le temps son shield, Sombra peut hack
plein d'ennemis très très vite, plein de packs de soins très très vite, ce qui augmente considérablement son ult. Et Anna, bah, comme vous l'avez pu voir, peut chain sleep les ennemis et donc handicaper complètement une partie. C'est juste absolument dégueulasse. Mais bon, on va essayer d'en refaire une, chers amis, et je vous dis à tout de suite. Ah bah non, c'est bon, ça lance. Ah bah écoute, ça relance, moi, s'il n'y a pas de souci. Du coup, on partirait bien sur ce type d'ennemi. Ah vas-y, si tu veux le prendre, prends-le, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas prendre heal, donc ça peut être rigolo. Mais on partirait bien sur ce type d'ennemi. En train de réfléchir s'il n'y a pas des personnages qui pourraient être un peu mieux, du coup. En défense sur Eichenwald. En train d'essayer de réfléchir. Avec son soin, ça peut être une... Par contre, on a toujours un temps d'un seul joueur et ça avance pas, quoi. Oh, quel dommage. Je sais pas s'il faut que je fasse le clic droit d'abord ou le clic droit ensuite. Parce qu'avec ce genre de personnage qui peuvent, vous savez, dasher d'un seul coup, ça peut être assez mitigé. On va bien voir. On va bien voir ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un d'entre vous me coach. Merci à lui. De toute façon, je crois que j'ai déjà fait sa promotion dans un live. Donc Ron Topo, si vous le connaissez, allez chercher sur internet. R-O-N-T-O-O-P-O-O-H, le mémoire, je suis désolé si je l'ai mal écrit. Il me coach, donc c'est sympa. Même si je suis pas un élève assidu en ce moment, vu que j'ai très très peu de temps le soir, je monte énormément de vidéos. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous nous en sortirons. Je pense que si j'arrive à me placer au bon endroit, il y a moyen que je fasse le café. T'es pas là l'entrée? Ah non, je suis pas là. Je suis pas là du tout. Trop du cul. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Ok, on est bon. On a un héros qui a donc une bonne survivabilité sur sa survivabilité. Survivabilité, oui, c'est ça, oui. Du fait qu'il a son heal, il a un clic droit pour un burst damage et la possibilité de dasher. Hop. Et de 1. Hop. Ça va mieux. OK. Je vais aller la chercher, elle. Oh non! Non! Alors là, je m'insurge! J'ai un peu du mal avec. Putain, mais. Sale garce. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, bah oui, fais que ça! Putain, mais. Putain, mais... Ah, oh, sale garce! Moi, je reporte. Hop, c'est de la merde. C'est de l'anti-jeu, c'est... C'est report. Faut pas m'emmerder. Ça pourrit mon gameplay. Signaler. Nanana. C'est quoi? Anti-jeu. Jusqu'à ce que... De toute façon, c'est pas grave, hein. C'est le personnage... C'est la personne qui prendra pour... C'est la personne qui prendra pour la connerie de Blizzard, c'est pas grave. J'en ai rien à cirer.
aussi les mecs. Bah oui, mais c'est un peu tard, hein, Simon. Voilà, ça va faire que ça. C'est un peu tard, tu suis ton Hanzo, c'est rigolo, mais bon. La guerre continue. Macré au rapport. Agnan ? Tu es dans ma ligne de mire. Bah oui. Bah oui. C'est pas grave. Mais c'est dommage. C'est juste dommage. C'est des personnages qui sont OP dans ce mode. Mais faut les laisser, c'est très très bien. Moi j'ai pas envie de jouer Zarya dans ce mode de jeu parce que voilà, c'est pas. C'est pas fait pour quoi. Merci. Merci. Pouah, juste pour ma gueule quoi. Putain, juste pour ma gueule. Oh, c'est vraiment un fils de pute. Je n'abandonne jamais le combat. Quelqu'un a besoin de soins. Bah il fait que ça lui aussi. Forcément, c'est pour moi. Je suis dans l'ult. C'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. On va se faire rect une deuxième fois pour le plaisir d'être rect. C'est pas grave. Putain, c'est une Anna qui est chez nous maintenant. C'est quoi ce suicide de... Venez vous faire soigner. C'est le bordel quand même. Oh putain. Et ils vont passer le point. Regardez ça, mais regardez ça, mais c'est leur leur heal qui est en on fire quoi. Ah bah mais t'as pas. Ah bien sûr. Eh le shield qui arrive au bon moment quoi. Putain. Ah c'est dégueulasse comme personnage. C'est dégueulasse comme personnage. Allez hop, c'est parti. Ça va être un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Je vais me casser les couilles avec un.
Je sais pas où. Je vois pas le. Le Genji est tellement squishy que je le vois pas. Ok. Il me tire pas dessus du tout, quoi. Quoi? Ok. Je suis full charge quand même, Simone, hein. Putain d'assassin de mes couilles. Il fait que ça. On l'entend bien, hein. Oh dodo, oh dodo, oh dodo. Il fait que ça. C'est un poil dégueulasse. Putain. Putain, mais c'est moi qui me fais hack, quoi. C'est moi qui me fais hack. Et ils vont avancer tranquillement. Et butez-moi cette Putain. Mais tu vas crever! Putain, je vois que dalle, je sais pas si je la touche elle. Putain, mais elle est intuable. Elle est absolument intuable. C'est débile. Enfin bon. Ça me fait une victoire dans le mode. C'est déjà ça. Ouah, la violence. Mais elle est intuable là, Anna, quoi, c'est incroyable. Bravo le jeu, quoi. Bravo Blizzard. Bon, on voit un autre coffre. Hop. Faisons-nous plaisir. On a un coffre, on l'ouvre. Avec du caca dedans. J'ai pas de chance au niveau des coffres. Hein. Enfin bon, on y retourne, chers amis. A plus.